Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire vidange de sa moto. On a ici une petite Dirt 125, c'est celle qu'on a fait le boxing. Comme vous le savez, quand on achète une nouvelle moto, il faut faire la vidange de l'huile. C'est juste de l'huile d'entreposage, c'est jamais bon de rouler comme ça. Alors pour commencer, on va essayer de faire tourner un peu la moto, faire chauffer un peu le moteur, pour que l'huile soit bien diluée, pour qu'elle coule facilement. Je la mets en route, je vous reprends. Attention parce qu'elle fait un peu de bruit. Alors ce que vous avez besoin, c'est votre huile, la racanec de 17 et un petit chiffon. Voilà. Vous voyez, il y a une vis ici en dessous. La dévisser, vous l'enlevez. Voilà. Vous laissez couler l'huile. Laissez-la bien couler jusqu'au bout. A few moments later. Voilà, on voit bien qu'ici, un dernier petit filet. Bientôt la fin. Je vais vous montrer ici le bouchon pour faire le remplissage. Il y a la jauge. Je vais la nettoyer. Voilà, toute l'huile a coulé. Vous prenez votre vis. N'oubliez pas la petite rondelle, ça sert de joint. Vous la revissez. Rebloqué pas comme un zoivre, hein. Il n'y a pas besoin, voilà. J'ai nettoyé, c'est plus ou moins 1 litre d'huile pour refaire le plein. Je vais en mettre un peu moins, il reprendra, on fera les niveaux. Faut refaire retourner un peu la moto et reprend chaque fois le niveau pour vérifier. J'ai mis à peu près 900 millilitres. On ferme. Retourner un peu la moto pour que l'huile se...
fait chauffer un peu la moto. Maintenant, on va pouvoir reprendre les niveaux. L'huile a circulé un petit peu partout dans le moteur. On avait bien droite. Ça m'a l'air pas mal. On va vérifier une fois, mais je pense que c'est bon. Et voilà, on est juste. On ne verra pas ici, mais on est juste là. C'est parfait. Voilà, vous fermez votre bouchon. Et voilà, je vais maintenant vous montrer, quand on fait son entretien, comment changer son petit filtre à essence. Je retourne la moto, je vous reprends. Alors maintenant, on va changer le petit filtre ici. Juste l'enlever, on va le changer par celui-là. Vous voyez, tout neuf, on vient d'aller chercher. Je vous pose. Sur le nouveau filtre, il y a une petite, on ne le verra pas sur la vidéo, mais il y a une petite flèche. Regardez bien quand vous le repositionnez. Je vais essayer de le replacer. On va à l'essence. Voilà. On va changer le petit filtre. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai pour une prochaine vidéo. On va vous présenter une deuxième dirt bike. Elle est cachée juste derrière. Et on fera un petit essai avec les deux sur un terrain ici derrière chez nous. Ça va être marrant. Bonne journée.